nous avons aujourd'hui décidé de conduire une opération que j'appellerai coup de balai. Dans trop de grands axes, on voit énormément de stationnements illicites, de stationnements de véhicules épaves, de véhicules tampons. Et la rue Alsace-Lorraine et Gâteau-Lamblin en est un exemple criant. Alors aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il faut coordonner les différents services, la police municipale qui conduit cette opération, mais aussi avoir un fourriériste qui est disponible avec plusieurs véhicules. Et puis évidemment, derrière, le service nettoiement qui aussi va mener une opération de grand nettoyage après cet enlèvement de nombreux véhicules. Et oui, cette opération sera reconduite. De nombreux riverains se plaignent de stationnements tampons dans les rues pavillonnaires. C'est effectivement un fléau que connaissent toutes les villes. Là, à travers cette opération sur un grand axe qui est particulièrement chargé, particulièrement roulant, eh bien, on montre l'exemple et on explique à celles ou ceux qui penseraient que le domaine public leur appartient que ce n'est pas le cas.